Bonjour les amis, aujourd'hui direction le lac Argamas, il fait super beau. Il est 8h et c'est complètement gelé encore. Donc il doit faire bien froid la nuit ici. Comme d'habitude pour les petites marches comme ça, j'ai pas vraiment d'itinéraire. On avance au pif. J'ai une direction, puis on y va. La végétation ici c'est super bizarre, il y a des endroits c'est super dense, et il y a des endroits ben, c'est des herbes, comme là. Genre là, tout ça, il n'y a rien, il n'y a que des herbes. Oh, j'ai retrouvé un sentier on dirait. Oh, mais j'ai de la chance dis donc. Là il y en a encore. Tout ça c'est du givre ça là. Moi qui voulais venir camper ici, bon, on va reporter ça, hein, gentiment, parce que c'est pas que 0 degré, j'ai pas envie, mais c'est que j'ai pas envie, voilà. Premier panneau que je croise. Je vois, il y a un petit chemin là, on va passer là, je sais pas où ça mène. Mais... Ça y est, je suis arrivé au lieu où je voulais aller. Donc on va aller faire autre chose après, je vais vous montrer ça. Et je vous présente le lac Argamas. Et il est qu'à 10 minutes de la route. Donc, faites un détour par le lac Argamas quand vous venez ici. Ça en vaut la peine. Ce petit étang d'altitude est l'intérieur d'un ancien cratère datant de plusieurs dizaines de milliers d'années, rebouché par une roche imperméable. Le terme d'Argamas désignait autrefois les aires servant à faire sécher le café et plus tard la plateforme où les cannes à sucre étaient entreposées près des moulins. Au 19e siècle, la Réunion produisait beaucoup de café, culture aujourd'hui remplacée par la canne à sucre. S'il y a une très belle journée en été, je reviendrai parce que en fait là on n'a que cette partie là-bas et je pense qu'en été, comme il pleut beaucoup, tout ça c'est recouvert d'eau. Là on voit encore le magnifique piton des neiges. Là normalement on devrait avoir une vue sur toute la plaine des palmiers d'un côté et toute la plaine des cafres de l'autre. J'ai pas l'impression qu'il y ait de chemin pour aller où je veux aller. Donc on va se faire un chemin. Exemple. Petit message, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager si mes vidéos te plaisent. J'ai quitté la trace, mais j'ai pas vu de panneau, donc et c'est pour moi, enfin il y a des gens qui passent là, c'est sûr et certain. Et il y a de ces merdes ici, putain. Ça se referme. On y est presque, là je suis là, je vais essayer de pas vous montrer, je vais aller juste là moi. Ah bon, évidemment, hein, tout ce que je fais là est fait par un professionnel et ce n'est pas à reproduire puisque il faut pas faire ça, d'accord? C'est pas à reproduire. Après tout ce temps, je peux enfin remarcher debout. Il y a même des endroits où je suis obligé d'être accroupi. J'ai trouvé une petite aire dégagée. On va essayer de faire décoller le drone d'ici. Et puis les prochaines images seront en drone.
qui vient de réfléchir un truc, mais écoutez, je peux pas rester. C'est que je ne me mets pas de point de repère. Je devrais soit en placer un moi-même, enfin en placer quelques-uns moi-même pour avoir les points de repère, soit les conscientiser, genre par exemple, là je viens de voir ça, il y a un gros tas de mousse. Je sais, gros tas de mousse, tout droit, tu vois, ça serait bien. J'ai perdu le cache du micro, mais il y était il y a un instant. Et du coup, ouais, je reviens à ce que je disais, parce qu'en fait, vu que je fais souvent de la merde comme ça, et ben, ça permettrait de pas me perdre, en fait. Alléluia, j'ai retrouvé le sentier. J'ai repris le sentier de ce matin et je vous reprends tout à l'heure. On va aller voir le cratère Commerson. Ce cratère est une structure volcanique issue d'explosions liées à une éruption magmatique survenue il y a environ 2000 ans. Il est l'un des plus impressionnants cratères avec 235 mètres de profondeur. Situé au fond de la vallée, le cratère a émis des coulées de lave qui ont inondé le fond de la rivière des Remparts jusqu'à son embouchure à Saint-Joseph, soit plus de 20 km plus bas. Le cratère a été baptisé en hommage à Philibert Commerson, un explorateur et naturaliste français qui fut le premier à tenter de percer les mystères du Piton de la Fournaise. Bon, on va juste vite fait faire un tour voir la plaine des sables et puis après je pense que ce sera tout pour la vidéo. Ici il y a un superbe spot pour les sunsets si vous voulez, bon, vous garez là et vous marchez vers là-bas jusqu'à atteindre la falaise. Je suis ravie à la voiture, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.